Et on va maintenant accueillir Alain dans l'émission. Bonsoir Alain. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir la RTS, bonsoir aux auditeurs, comment ça va? Mais nous on va bien, chers collègues, parce que vous êtes rédacteur du journal de Fuy, c'est juste, hein, c'est bien de cela. Voilà. Et chers collègues musiciens, local, oui. Bon, c'est un journal qui lance, qui a des idées extraordinaires. Racontez-nous un petit peu votre idée au départ, en tout cas celle-là, pas toutes les autres, parce que sinon on en a pour la nuit, mais cette idée-là. Alors, l'idée de base, c'était le samedi 21 à 21h, où tous les musiciens du Valais, les fanfares, ont été invités à jouer à 21h Marignan. Alors, c'était une soirée vraiment qui a mis du baume au cœur, qui était enthousiasmante. Hein. Et là, on va continuer tous les samedis jusqu'à la fin de ce cauchemar. Vous êtes là ? Oui, alors ? Je vous avais perdu jusqu'à la fin de ce cauchemar. Donc, oui, et puis il y a une vidéo de lancement qui est absolument extraordinaire pour le 28 mars hein, à 21h. Donc, votre idée au départ, c'est venu comment, Alain ? Racontez-nous. Alors, c'est lors de la fête de Saint-Joseph. À Fuy, la fanfare L'Avenir, depuis plus de 100 ans, joue au village de La Fontaine. Et cette année, ça n'a pas pu être fait. Mmh. Alors, j'ai contacté le président Philippe Terretta pour lui proposer de jouer le soir depuis les balcons. Mais comme les musiciens n'avaient pas tous leurs instruments, eh bien, on a décidé de mettre la date du samedi soir à 21h. Et puis, ça a été un succès extraordinaire. Et pour celles et ceux... C'est ça. Et pour celles et ceux qui étaient en Valais, ils n'ont pas eu besoin de trop ouvrir les fenêtres parce que tout le monde s'y est mis. Hein. C'était impressionnant. Impressionnant. Le son portait vraiment très loin. Et comment dire, lorsqu'on écoute Marignan, hein, 1515, et que lors de la partition, on peut chanter « Quel est ce pays merveilleux ?» Alors là, tout le monde pouvait accompagner et chanter. Et les frissons encore maintenant, la larme à l'œil, tellement c'était beau. En fait, vous pensiez que ça allait fonctionner si bien ? Bah, l'idée, en fait, c'était vraiment une petite idée pour le village. Et puis ça s'est répandu dans tous les villages où on voit que les musiciens sont comme des lions en cage. Et là, par ce moyen-là, vraiment, ils ont pu se libérer. Mais de Isérable à Nanda, à Salvan, à Ayen, ils sont mis par quatre, tout en respectant les consignes hein, de sécurité. Mm-hmm. Et puis, on a pu faire unité, hein, ce que nous avons vraiment besoin. Alors, si des gens s'intéressent, ils peuvent aller sur la page Facebook Ligne de Cœur RTS. Ils peuvent aller aussi sur la page Pop Suisse. Alors, je vous rappelle que la page Pop Suisse, en fait, c'est la page des associations de musique populaire et de la RTS et du kiosque à musique. Et là, il y a plein d'extraits de ce que vous avez pu faire déjà il y a une semaine. Et il y a la vidéo pour le 28, hein, déjà, sur notre page et sur l'autre page. Alain, vous êtes un passionné, hein, pour celles et ceux qui vous connaissent. En fait, vous faites ce boulot dans le cadre du journal de Fuy, pourquoi ? Alors, mon petit niveau, là, chacun, là où il est, m'a apporté un petit peu d'enthousiasme et de bonheur. Et puis, j'ai l'habitude de dire, j'ai entendu avant des phrases comme Socrate, Rousseau. Nous, on a Simon Roduit, un philosophe qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est aussi une de mes seules qualités, c'est de savoir m'entourer de gens bien plus intelligents que moi. Il y a tellement de belles choses à partager. Hein, voilà pourquoi le journal de Fuy essaye de transmettre tout cela comme mmh. vous. Hein, merci beaucoup, RTS. Quelqu'un pose la question, comment les musiciens ont réagi quand vous leur avez proposé ça ? Les musiciens, les fanfares, leur première réaction ? Leur première réaction, c'était comme dans un starting block. Chacun a proposé quelque chose, chacun s'est téléphoné, s'est envoyé des WhatsApp. Et il y a des vidéos montages hein, sur la page du journal de Fuy où c'est très fort à suivre. Par rapport à Marignan, si on a un peu de temps à la maison, j'ai pu prendre les hymnes, différents hymnes et paroles. Et j'ai pu lire cela et il y a l'hymne vaudois que je trouve très beau à relire. Je sais pas le chanter, mais que dans nos riantes campagnes, cet heureux refrain soit chanté, que par l'écho de
par l'écho de nos montagnes, il soit mille fois répété. Et on sent bien que, vraiment, ce que les musiciens peuvent faire ce soir-là, il y a encore l'écho des montagnes qui résonnent maintenant. Et alors, samedi, ce sera quoi? Ce sera pas Marignan? Donc, ce ne sera pas Marignan. Nous allons faire tous les samedis jusqu'à la fin. Et le prochain samedi 28 à 21h, nous allons jouer l'hymne patriotique. D'ailleurs, j'invite toutes les fanfares du canton de Vaud, de Genève, du Jura, Neuchâtel, à peut-être nous rejoindre. Hein, ouais. Absolument. Donc, on jouera l'hymne suisse. Nous avons aussi dans les discussions, c'est vraiment, hein, quand on lit une nouvelle liste, quand on commence par la dernière page, qu'on pense avec toutes les familles qui ne peuvent pas vivre leur deuil, car les fanfares, c'est pas que folklorique, hein. Non, ça nous accompagne pendant la fête Dieu, pendant les enterrements. Et là, je pense qu'il y a une souffrance terrible, hein, qui est vécue. Oui. Et nous ferons un samedi soir spécial où nous pourrons jouer Amazing Grace ou bien une ballade nord-irlandaise. Hein. Très bien. Celle-là, je vous demande pas de la chanter, hein. Vous la connaissez moins bien que Marignan, je crois, non? Absolument, oui. Bon, dites-moi une dernière chose, Alain. Samedi, c'est donc en Valais, mais ça peut être partout en Suisse romande. On pourrait profiter de lancer l'appel, et puis si vous êtes d'accord, on lancera cet appel aussi dans le kiosque à musique samedi, pour les musiciennes et les musiciens. C'est samedi, 21h, c'est le 28 mars, et ce sera donc l'hymne suisse, ou le cantique. Absolument. Voilà. Oui, l'hymne suisse. C'est la même chose. Hein. Merci beaucoup de transmettre, de faire écho comme une montagne. Hein. Si jamais la page Facebook, ça s'appelle Fanfare au balcon jusqu'à nos retrouvailles. Et ce qui est important dans ces termes, c'est nos retrouvailles. Il y a aussi sur YouTube aussi où les gens ils peuvent retrouver des vidéos. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. À bientôt. Au plaisir. Hein. Au revoir Alain, merci. Et salutations à Fuy. Bonne soirée et au revoir. Je manque pas, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.